Gérard Deprez, bonjour. Vous êtes bonjour. Député européen, vice-président du MR, le Parti libéral en Belgique, et ministre d'État, un titre honorifique qui n'est attribué qu'à des personnalités particulièrement respectables. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une religieuse, parce que vous avez peut-être vu cette photomontage qui a fait la une d'un magazine en Allemagne. Angela Merkel en mère Teresa, oui, tout ça parce qu'elle a ouvert les bras sans limite aux réfugiés. Elle a eu raison, Angela Merkel ? Je pense qu'elle a eu raison à deux titres. D'abord en tant que dirigeant politique, parce que dans un contexte dans lequel certaines forces politiques, notamment en Hongrie et ailleurs, voulaient absolument barricader l'Europe, elle a eu le courage de dire que ceux qui méritent protection, on doit les accueillir. Mmh. Et donc elle a lancé un message d'humanisme. Mais là aussi, eu une attitude réaliste, parce que l'Allemagne est un pays en plein déclin démographique et dans lequel on a besoin de main-d'œuvre. Et donc je pense que les deux éléments étaient intimement liés. Vous nous dites que les réfugiés, ça peut nous rapporter, contrairement à ce que certains imaginent. Contrairement à ce que certains imaginent, les réfugiés peuvent être d'un véritable apport. Et en tout cas, dans le cas de l'Allemagne, c'est une évidence. Mmh. Et dans le cas d'autres pays, c'est en toute hypothèse un enrichissement culturel. Alors on sanctifie Angela Merkel, on diabolise Viktor Orban, le président de la Hongrie. Vous-même, vous avez déclaré que la Hongrie était en voie de fascisation. Est-ce que vous avez pesé vos mots ? J'ai pesé mes mots et je les maintiens. Ce n'est pas simplement le fait que M. Orban est occupé à mettre des barbelés tout autour de la Hongrie. Mmh. La Hongrie a vécu sous les barbelés pendant un certain temps. Les Hongrois ne pouvaient pas sortir et maintenant ils mettent des barbelés pour que des gens ne puissent pas entrer. C'est quand même assez pathétique. Mais je maintiens ce que j'ai dit. Pourquoi ? Parce que si vous écoutez bien le discours d'Orban, il a un discours ethnique, quand vous l'écoutez bien, qui rappelle tristement certains épisodes de l'histoire occidentale. Il dit « nous sommes ici, la race blanche ». Mmh. En terre chrétienne. En terre chrétienne. Et donc il crée une espèce de fermeture ethnico-religieuse qui signifie… Mmh. Comme d'autres le disaient, qu'il y a une race particulière qui doit être protégée. Donc c'est ça davantage que les barbelés, parce que c'est vrai que les accords de Schengen prévoient qu'on protège les frontières extérieures. Et Orban dit je fais ce que les textes européens demandent. On peut protéger les frontières extérieures. Ça n'implique pas nécessairement qu'on mette des barbelés. Ça n'implique pas qu'on donne l'autorisation à l'armée de tirer. Mmh. Parce qu'il y a aussi une obligation qui est prévue par les traités internationaux, c'est que même si vous contrôlez les frontières, quelqu'un qui a besoin de protection ne peut pas être refoulé. Et ça, M. Orban l'oublie complètement. Alors, on va écouter Bart De Wever. Bart De Wever, c'est le patron du parti nationaliste flamand, qui est au gouvernement en Belgique et qui gouverne avec qui ? Avec votre parti, le parti de Charles Michel. On l'écoute à propos des migrants. Net op dat moment, zegt Mutti Merkel, herzlich willkommen. Wir schaffen das. Dat is wat ik noem een epic fail. Ze stappen in gammele bootjes omdat de bommen achterin vallen. Excuseer, dames en heren, dat is gewoon niet waar. Réaction ? Il dit n'importe quoi ? Je pense qu'il fait des déclarations que j'appellerais tristement populistes. Donc il a fait sa dernière victoire électorale, mm-hmm, en prenant beaucoup d'électeurs à l'extrême droite. Il constate que son parti maintenant est occupé à reculer et que les électeurs retournent à l'extrême droite. Et donc il essaie de rameuter les électeurs par des paroles de cet ordre. Mais ça ne vous pose pas un problème ? Ça vous gouvernez avec lui ? Oui, avec la déclaration est en tout point regrettable. Mais mon critère véritable est celui-ci. Il y a une déclaration gouvernementale. Il y a des membres de la NVA qui sont dans le gouvernement. NVA, donc Parti Nationaliste Flamand. Le Parti Nationaliste Flamand. Tant que ces membres NVA appliquent la politique du gouvernement, qui est une politique de fermeté, mais aussi d'accueil vis-à-vis de ceux qui ont besoin de protection, Monsieur De Wever peut continuer à dire ce qu'il veut. Tant que ça n'influence pas la politique du gouvernement, je considère que ça n'est pas grave pour le gouvernement, c'est grave pour M. De Wever et pour une certaine conception de la démocratie. Alors tout à coup, avec l'afflux des réfugiés, on constate qu'il y a en Syrie des gens qui se font bombarder. Est-ce qu'il faut régler le problème à la base ? Est-ce qu'il faut intervenir militairement en Syrie ? On le fait déjà, mais est-ce qu'il faut accentuer cette voie ? Je pense qu'il est nécessaire, si on veut tarir la source
des réfugiés, d'avoir une situation qui soit pacifiée, non seulement en Syrie, mais aussi dans les deux pays voisins. La Libye n'est pas dans un état remarquable, et l'Irak est quand même dans une situation relativement précaire. Donc je pense que toute la zone doit être pacifiée. Et on ne pourra la pacifier qu'à partir du moment où on aura mis fin aux exactions criminelles de l'État islamique, de ce que l'on appelle Daesh, ou l'État islamique. Et pour ça, je pense qu'il faut mettre sur pied une large coalition qui comprend surtout et d'abord, des pays de la région qui ont envie que ça cesse, parce que sinon, ça risque de contaminer progressivement leur propre pays. Si ceux qui vont intervenir sont seulement des Occidentaux, de nouveau, on parlera de croisade chrétienne contre l'islam, et ça créera plus de problèmes que ça n'en résoudra. Donc je suis partisan d'une coalition dans laquelle, en tout cas, un rôle majeur est joué par les pays voisins. Avec la Turquie, qui a quand même un rôle très ambigu à l'égard des Kurdes syriens et Kurdes... Parmi les pays voisins, il y en a quelques-uns qui sont importants. La Turquie a une frontière commune avec la Syrie. Vous avez l'Iran, dont il est notoire maintenant qu'elle intervient militairement par l'intermédiaire de certaines milices et de certaines troupes de choc sur le territoire syrien. Et vous avez d'un autre côté l'Égypte, qui n'est pas très loin. Je ne vois pas comment on pourrait avoir une coalition sans que ces pays-là ne soient présents. Une coalition avec ou sans Bachar al-Assad ? Alors c'est la difficulté du jeu. Il est clair que du point de vue du camp occidental, Bachar el-Assad n'est pas fréquentable. Mais il est clair aussi que les Russes et les Iraniens ont décidé de le soutenir. Donc à partir du moment où les Russes et les Iraniens décident de le soutenir, vous n'allez pas pouvoir le retirer du jeu. Et donc il est très possible, c'est une idée simple que je lance, que si on veut mettre fin au régime de Daesh, on peut ouvrir un front de l'Est et un front de l'Ouest, comme on a fait en Europe pendant la guerre 40, et ce n'était pas nécessairement les meilleurs amis du monde, mais ça a aidé à éliminer une force pathologique. Donc vous n'excluez pas totalement Assad ? Je n'exclus pas qu'il y ait deux fronts, un front dans lequel se trouveront les Iraniens, les Russes et Assad, et de l'autre côté un autre front qui prendrait Daesh en tenaille. Alors, Gérard Depré, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. Je prends la première. Et vous la lisez à haute voix. Doute, la première est sans doute la et meilleure. Sans crainte. Et je la lis à haute voix. Faut-il jeter sa Volkswagen ? Pas du tout. En tout cas, moi, je ne vais pas jeter la mienne. Je suis abonné. Vous en avez une ? Je suis abonné à la Golf depuis des années. Avec le petit logiciel ? Je ne sais pas si j'ai le petit logiciel, mais je suis très content de ma Golf. Elle roule très bien, elle est très sécurisante, elle consomme peu. Et donc, c'est sérieux, ça, ce qu'a fait ce groupe automobile ? Non, sérieusement, ce sont des tricheurs, il faut le dire. Et toute tricherie mérite sanction. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'ils soient sanctionnés. Mais personnellement, je suis très satisfait de ma Golf. Et ils devront être tolérants un peu plus avec les Grecs Ça, les deux ne sont pas liés. Vous savez, Angela Merkel et l'opinion publique allemande n'ont pas, en apparence, ne sont pas très gentils avec les Grecs. Mais pour les 84 milliards qu'on va prêter à la Grèce, l'essentiel est mis aussi par l'Allemagne. Merci Gérard Depré d'être venu au bar de l'Europe et on va s'attaquer à ce gâteau sain.